parti pour le permis jour 2. Salut tout le monde, c'est Paika. Bon ben là il pleut, c'est la merde. C'est vraiment la grosse merde, c'est pas grave. On est content d'aller au permis quand même. J'espère que vous allez bien. Moi ben voilà, il pleut hein, c'est fini pour moi. Ben on se retrouve sur le plateau hein. Qu'est-ce que je te dise, salut à toi. C'est pas, non tu m'as pas vu, c'est pas grave. Ouais, on se retrouve sur le plateau directement. Je vous fais de gros poutous, prenez soin de vous. Et voilà, faites attention sous la pluie hein. Allez, on se retrouve sur le plateau. Allez, le lent. Oh, ça va être chaud. Le lent, mon petit pote. Ça te déséquilibre, énervé. Oui. Allez. Hop. Hop, hop. Hop. Après, je sais plus, moi, je sais plus comment on fait, hein. Putain, merde. Hop, hop, hop. J'ai touché le plot. Nique sa mère. Hop, hop, hop. Schlif, schlouf. Je sais plus, moi, je sais plus, je sais pas, je sais plus, je sais pas, je sais plus. Pac, pac. Skilly kick, pac, pac. Touroum, doum, 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 doum. Skiatch. Skilly kick, pac, pac. Skum, kum, kum, poum, poum. Skim, kum. Skouroum, doum, doum. Pour la fin du parcours. Comment c'est? Déjà on fait le début, on verra la fin après. Ça veut dire jusqu'à la fin du plot qu'on avait fait Jusque là et après je vais m'équiper, on va faire la suite ensemble. Allez. Pas de panique. On pose un peu plus la trajectoire. Léger frein, on libère un peu le front de la tête. Continue. Refrain lent. Non. Là on reste bien dans l'axe imaginaire des piquets. Là, bien, je vais vous serrer. On continue. Aïe. Bon alors, ouais. On est d'accord que c'est une fois que j'ai passé mes deux piquets, les deux derniers, ouais, que le chrono s'arrête. Ouais. C'est pas là qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas là qu'il faut lâcher l'embrayage. Il y a trois plots là, laisse-les tranquilles. On va jusqu'ici. Uh-huh. Et exceptionnellement à l'auto-école, on va venir s'arrêter ici. D'accord. Je dis exceptionnellement parce qu'en fait, le jour de l'examen, t'es tout seul. Ouais. Mais là-bas, il y aura peut-être quelqu'un tout à l'heure. Ok. Donc on le laisse travailler s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, on y va en trace. Hein. Place-toi le long de la ligne droite. Embrayage en entier. Frein arrière. Sors ton pied gauche. Et on va s'arrêter de manière très précise la roue avant entre la première et la deuxième ligne pointillée. Laisse la moto s'appuyer. Ton bidon en butée. On va mettre un filet d'accélération. On va tenir notre accélération constante pendant tout notre démarrage. On va chercher notre point de patinage et on va le maintenir bloqué. On va utiliser un pied pour pouvoir démarrer. Et seulement là, on va pouvoir relâcher l'embrayage. De l'autre côté, ouais, c'est la même chose, mais avec la petite particularité d'être du mauvais côté. Donc soit on freine du frein avant, et moi je te le conseille pas, soit on freine du frein arrière, mais du coup on sort l'autre pied. Je sors un peu la fesse gauche, comme ça je vais avoir plus de longueur de jambe. Embrayage, frein arrière, je sors mon pied gauche et je m'arrête comme ça, pied gauche au sol. Ok. Arrivé là, je change de pied, bah du coup je me décale s'il faut, ouais, de fesse. Je la laisse s'incliner. Filet d'accélération, je maintiens mon patinage et mon accélération constante pendant tout mon démarrage. Je regarde ma main et un pied, je maintiens le tout et seulement là, on peut relâcher le embrayage. Et arrivé là, ça fait plot, piqué, piqué. Et après les plots les plus loin, les plots de... À gauche. À gauche, oui, ouais. D'accord, très bien. T'as des questions? Non. Alors action. Le jour de l'examen, il faudra enlever la caméra. Ah bon? Ah ouais, ouais. Oh, merde. On filme pas l'examen. Ah, je suis deg. Non, non, ouais, l'inspecteur il voudra pas, je pense. Ah bon, c'est pas grave. Et là, une fois que je pars de là, je fais comme s'il y avait quelqu'un derrière moi, s'il y a personne là-bas. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Là, tu peux le faire plot, piquer, piquer, après les plots les plus loin, les plus faciles. C'est bon. Plot, piquer, piquer. Et les plots les plus loin, les plus faciles. Ok. Eh ben, ça va s'entraîner, ma gueule. Ah, je suis chaud là. Et après, on fera ça le rapide. Et après, on fera
on bossera le rapido. C'est bon, oh là il fait bon, là il fait soleil là. Ouais, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. En 10 secondes, le temps il a changé. Ouais, c'est abusé. Oh, tant mieux, hein. Ouais, carrément. Tac, tac. Les petits poteaux, pop, pop, pop. Et là, loin, devant, loin. Tu vois là, les montagnes là-bas. Bon, on les voit pas, mais loin, 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 loin. Pop, pop, pop. Ah, le gueuf. Ta moto, elle a l'ABS là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas l'ABS? Filme-le, c'est bien ça. C'est la merde. Attends. Il y a des chiffres qui tournent. 4, 5. 10, 11. Ah, nickel, c'est bon, ça filme. Bon alors je vais t'expliquer ce que c'est qu'un freinage sans ABS. Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas l'ABS? Ah mais on glisse. On glisse. Ah ouais, enfin si c'est bien contrôlé, non, mais si c'est mal contrôlé en le bloquant, c'est la merde. Ah, le problème c'est que moi j'ai pas mon permis moto depuis très longtemps. Oh là. S'il y a un blocage de roue de manière continue, il y a un risque effectivement de glisser. Et bah là on va couper l'ABS. Si jamais je prends le frein arrière très fort, la roue arrière elle se bloque, ouais. Elle glisse. La moto elle risque de se mettre en train. Travers. Si jamais je lâche pas le frein. Mm-hmm. La roue elle continue à aller vers la gauche ou aller vers la droite et on va tomber, c'est sûr. Si jamais on fait la même chose avec la roue avant, qu'est-ce qui va se passer? Ah là c'est plus dangereux. La moto risque de piler, de coucher à droite ou à gauche et... Et après c'est irrattrapable. C'est ça. Donc on va le faire. Ouais, super. Regarde ton guidon. Hop là, le guidon, il s'en va vers la gauche comme ça, on va chercher la butée. C'est ça. Et on va tomber tout de suite. C'est irrattrapable. Comment on peut éviter ça? En libérant le frein, en redonnant de la rotation. D'où l'ABS, ça bloque mais pas tout le temps. D'où l'ABS, ça limite le blocage de roue de manière continue. D'accord. Ça va calculer la rotation de la roue, soit de la roue avant, soit de la roue arrière. Ouais. Et ça va limiter ton blocage. Du coup, dans ton levier de frein, il va se passer ça. C'est pas du tout une bonne idée parce que du coup, c'est quoi? C'est un poisson ou quoi? Ah, c'est une feuille. Un poisson. Oh, ça sera dans la vidéo mais direct. T'as la chance de pouvoir faire un exercice sur une bécane neuve qui a l'ABS, un ABS de dernière génération. Qui est... Et ça marche hyper bien. Super bien. Ouais. Mais attention, t'as le budget pour une moto qui a l'ABS, tant mieux. Ouais, t'en as pas. Aïe. Aïe, il est tombé fort. En même temps, il y a tellement d'inclinaisons. Ouais. Ah ouais. En même temps, t'as vu l'inclinaison que t'as mis? Ouais, mais t'as glissé comme un ouf, ça va? Attends, t'as vu la combinaison de patates que t'as mis, mec? T'as déclenché comme un ouf là. La glisse. Allez, un mars et ça repart. S'il faut, tu t'arrêtes 2 secondes pour respirer. Là, tu m'as rayé le sol là. Départ ici, première. Rapidement. Deuxième, rapidement. Troisième, avant la ligne pointillée, c'est 6, c'est obligatoire. Ok. Lâche l'accélération, très léger frein, embrayage, rétrograde 2, patine première, libère le frein, place tes yeux, au pire tu poses un pied. C'est pas grave. Mais tu franchis pas la ligne. Ok. Allez, on est reparti, rapidement deuxième, rapidement troisième, et arrivé à la ligne pointillée, on va voir un danger. Et à ce danger là, on lâche l'accélération, frein arrière, frein avant. On récupère notre embrayage dans les 2 derniers mètres. Ok. Il faut pas dépasser cette ligne. Il faut pas dépasser cette ligne là-bas. La ligne c'est 4 parce qu'il pleut. Ah. D'accord. C'est 5. Si jamais il fait beau. T'es arrêté ici en 3e. Ouais. 2e. Il faut lâcher un peu l'embrayage. 3e. Et on est reparti. Ok. Donc tranquille au début. Ça va aller. On va pouvoir se augmenter l'allure. Mais vraiment tranquille hein, dans un premier temps. C'est bon. Allez. Wow. Pop, pop, pop. Hip, hop. Ouais, bien les moniteurs, bien. Ben voilà, tranquille au bilou. Allez, on fait celui-là.
Hop. Ah, il y a... Oh, les deux piquets, ils sont tombés. Tu m'étonnes. On va voir si je suis un beau gosse et que j'arrive à pas les toucher. J'ai touché. Ça, ça remplit vite, non, ça, non hein. Eh ouais, mon gars. C'est des trucs de MotoGP, là. C'est exactement ça. Pouah. Allez. C'est pas parce qu'il pleut qu'on doit pas faire de la moto, mon petit pote. Hop. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Le petit permis. Hop, hop, hop. Et de 1. Hop, là on repasse par ici. Voilà, normalement on doit prendre quelqu'un là. Hop, tu fais ça. Schlick. Schlouk. Tu passes là. Ici. Tu t'arrêtes là. Le passage il descend. Check, check, bim, il te check. Hop. La petite salle de sport, pop, pop, pop. Hey. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, chaud. Aïe. Ah ouais, chaud. Ah merde. Ah ouais, ah je l'ai plein. Ah je suis désolé pour vous hein. Ah ouais, les pauvres gros. La voiture a été retournée, énervée. Ah chaud. Salut. Eh ouais. Oh, il m'a tué.